dans Ibun, très fière, pose aux côtés de Jennifer Aniston. Après plusieurs succès en France avec Bienvenue chez les Ch'tis, Super Chondriac, Raid Dingue ou plus récemment La Ch'tite Famille, Dan Ibun semble vouloir conquérir le marché hollywoodien. Le comédien âgé de 52 ans est actuellement en Italie sur le tournage du film Mur des Mystries, réalisé par Kilne Vachek. Depuis le mois de juillet, Dan Ibun enchaîne les sessions de tournage aux côtés de grands noms du cinéma à l'instar de Jennifer Aniston mais aussi Adam Sandler, connu pour avoir joué dans Amour et Amnésie et Le Mytho, John Cani vu dans Black Panther ou encore Adèle Haenel, The Dictator, ainsi que lui Gerardo Mandé, un acteur mexicain habitué des productions Netflix. Lundi 13 août, Dan Ibun a ainsi partagé deux clichés du tournage. Et le comédien semble être particulièrement à l'aise entouré de ses nouveaux partenaires. Un nouveau projet qui a tout de suite convaincu le compagnon de Yael Boone, « J'ai lu le scénario il y a 10 jours, j'ai beaucoup aimé », confiait-il en juin dernier au micro de RTL. C'est un inspecteur d'Interpol qui enquête sur une série de meurtres. Et, le personnage est très marrant et pour une fois, ce n'est pas un rôle de français méchant comme d'habitude. Peu après le tournage, Dan Ibun sera de retour sur les planches à partir de janvier 2019 aux côtés de Valérie Bonneton pour la pièce de théâtre 8 euros de l'heure. Un programme chargé pour l'acteur /